Dans la cour, le voisin, il m'a dit un gros mot. Quoi? Attends, mais ça va pas se passer comme ça, mon petit pote. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui offrir des doubichous, tu vas voir, ça va lui donner une raison de dire des gros mots. Aujourd'hui, pas d'American Pie, pas de boulettes de viande à la Scorsese, mais un mets délicat issu d'une des plus grandes comédies françaises de tous les temps, le doubichou. C'est une fabrication artisanale. C'est roulé à la main sous les aisselles. Bon, alors techniquement, dans le Père Noël est une ordure, le doubichou, c'est pas vraiment français, c'est bulgare. Mais ça va, on va pas chipoter, c'est un film français, alors on passe en cuisine. Miam, 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 j'ai une petite faim. Pour cuisiner le doubichou à la manière de Monsieur Prescovitch, il vous faut du sucre, de la farine, du beurre, de l'huile, du cacao noir en poudre, une tablette de chocolat dessert, un petit peu de cannelle, un Tupperware pour la présentation, et enfin une aisselle propre. Nouveau, t'as un regard de lover? Mais t'as les aisselles qui pleurent? Alors essaye les doubichou. Les auréoles, c'est bien mieux au-dessus de ta petite gueule d'ange. Doubichou et je transpire plus. Mais chaque chose en son temps, il faut tout d'abord pétrir une pâte bien tiède friendly avec le beurre, l'huile, la farine, le sucre, le cacao en poudre et la cannelle. Ensuite, avec la pâte, on fait des boudins approximatifs autour des morceaux de chocolat. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. On passe maintenant à la première étape de cuisson, 10 minutes dans un four à 160 degrés. Vous sortez vos doubichous du four et direction la salle de bain. C'est une technique ancestrale. Une fois vos doubichous parfaitement roulés, ça repart au four pour 5 minutes environ, toujours à 160 degrés. Astuce pour obtenir un aspect bien chum, vous saupoudrez de sucre glace directement à la sortie du four. Vous foutez tout ça à l'arrache dans un Tupperware et c'est prêt à offrir à votre voisin malpoli. Mais vous ne les goûtez pas, Madame Thérèse? Papa? Ouais? Tu sais, j'ai bien aimé les doubichous voisins, mais ils sont en train de venir dans la cour. Bien joué.